Je vous présente Tom Plume, un livre de Anne Boutin-Pied et Stéphanie Marshall qui a vu le jour grâce à l'association Bébé Plume, une association de parents de bébés prématurés de l'hôpital d'Orléans. J'aime beaucoup cet ouvrage car il va accompagner les fratries de façon très adaptée, déjà parce qu'il propose un CD pour écouter l'histoire au fur et à mesure des pages. Ensuite, parce que les illustrations me plaisent énormément. Je les trouve très rigolotes, pleines de couleurs et très adaptées à la situation qu'elles décrivent. Ce livre, il va accompagner le quotidien de la fratrie, une grande sœur et un grand frère lors de l'arrivée d'un bébé, un peu plus prématurément que prévu. On commence donc par l'annonce du papa lorsque le bébé arrive, et puis ensuite on va accompagner ce frère et cette sœur rencontrer leur bébé dans le service de néonat. On le découvre avec eux au sein de sa couveuse et au fil des jours, on va les suivre dans leur quotidien à la maison et dans ce que les parents vont réussir à mettre en place pour leur permettre à eux aussi de vivre cette étape de la prématurité. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a un petit peu ce qui se passe à l'hôpital, mais sous le regard des enfants, c'est-à-dire la façon dont eux y vivent cette hospitalisation, et on va les suivre surtout dans leur ressenti du quotidien à la maison. Comment ils ressentent que c'est un petit peu long, que maman leur manque, les colères qu'il peut y avoir par rapport à la situation, la façon dont les parents sont obligés de faire un peu le grand écart entre ce qui se passe à l'hôpital et puis eux à la maison, les moments où ils sont un petit peu tristes, les moments où c'est également compliqué pour les parents d'être présents et où on voit qu'ils font comme ils peuvent pour se partager entre tous les enfants. Et puis au fil des pages, le bébé grandit, on en profite aussi pour parler des émotions que cela peut susciter, et puis tout doucement, il arrive vers le chemin de la maison et son arrivée au sein de la famille. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui présente la prématurité au niveau de la fratrie d'une autre manière et que j'aime beaucoup. Il s'appelle Tom Plume, de Anne Boutin-Pied et de Stéphanie Marshall, et je vous le recommande vivement.